Bonjour à tous, et voilà, nous sommes enfin arrivés à Rangiroa. On est arrivé hier soir, après 4h30 de navigation depuis l'atoll de Tikeao. Et je remercie la commune de Rangiroa de nous avoir aidés, d'avoir transporté non seulement notre petite équipe, mais tout notre matériel. Pour moi, c'est une double émotion. Évidemment, Rangiroa, le plus grand atoll de la Polynésie et le deuxième plus grand atoll du monde. Et en même temps, très personnellement, j'ai vécu ici il y a 23 ans. Et du coup, ce matin, je n'ai pas pu m'empêcher de venir tout près d'un Oa. Les Oa, ce sont juste des sortes de petites rivières, en quelque sorte, au-dessus du récif, sur le platier, entre deux motus, c'est-à-dire entre deux îlots qui forment la couronne de l'atoll. Et dans ces passages-là, se concentrent énormément de larves, de juvéniles, de poissons, de crustacés. Voilà, il y a 23 ans, c'était un sujet qui m'a passionné et j'y ai consacré presque un an et demi de ma vie. C'était mon service national, pour tout vous dire. Et puis, je leur dois aussi sans doute toutes mes années que j'ai fait aux côtés de Nicolas Hulot sur Ushuaïa, parce que finalement, la première histoire et la seule histoire que j'avais à raconter à Nicolas Hulot quand je l'ai rencontré il y a 23 ans, c'était cette histoire de larves de poissons qui partent de l'océan et qui colonisent le lagon à travers ces petites rivières. Laurent Balesta a passé 16 mois sur les récifs à pêcher les larves qui bouclent ici leur grand itinéraire pélagique. Tous les soirs, nous allions poser des pièges à larves dans ces oa, et tous les matins, nous venions recueillir dans nos pièges des milliers et des milliers de petites larves de poissons. Zanclus cornutus. Lui, il arrive tout droit de l'océan, là. Il a encore sa longue nageoire océanique. Là. Il est bien transparent. Voilà. C'était sympa de revenir ici, où beaucoup de choses se sont initiées, sans que j'imagine tout ce que ça allait permettre d'aventures incroyables tout autour du monde. Une larve change d'archipel comme ça, et au fur et à mesure, que l'espèce puisse être homogénéisée d'un point de vue planétaire. À bientôt, demain on reparle du requin marteau.